Argue. Ok. Oh. Zombie à gru-gru, comme tu dis. Alors, du coup, je suis une hirondelle. Non, pardon. Donc, on a une salle fermée ici et une autre ici. Donc, on a potentiellement deux portes ouvrables. Donc, allons-y. I'll go check over there. Non, mais non. Mais qu'est-ce que tu me fais? This way. Ok. This way. Ok. Moi, il n'y en a pas à y avoir à réfléchir. J'entends pas de bruit. Hop. Ok, au moins on est tous les deux en attention au même niveau, c'est bien. Non, 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 pose pas les chips et les échelles pièces, enfin les... Ne pousse pas ces pièces d'échiquier n'importe comment. Ouh, des rubans encreurs. ouais, je crois que c'est toi qui vas les prendre pour le coup. Hop. Des grenades au napalm, ça c'est agréable. Un globe terrestre, il a l'air en piteux état, ok. Ok, donc là on a des pièces d'échiquier. C'est un échiquier. La partie s'est terminée sur un échec et mat. Ouais, je vois ça. Alors. Attends. Donc. Il y a. La reine qui est dans le coin. Faut s'en rappeler, hein. La reine qui est dans ce coin-là. Donc on va dire 1-1. La tour qui est à l'autre bout. Le roi qui est en dessous. Un écart avec la tour. Et il y a le pion qui est sous la tour. Ok. C'est chaud quand même. Enfin... Ok, donc là on a... La reine qui est dans son coin. La tour qui est là. Donc le roi est censé être ici. D'accord. Donc, il faut déplacer Rebecca. Rebecca, fais pas ta mijaurée. T'as intérêt à me déplacer la bonne pièce, hein. Ouais. Mais alors, pour le déplacer plus, attends, il va falloir. Voilà. Je fais ça pour mieux pouvoir le ramener. Voilà, et ensuite, tu le ramènes. Parfait. Wouhou! Je trouve pas que déplacer un roi de casse soit chaud, perso. Ouais, bah, attends, je croyais qu'il faudrait déplacer toutes les pièces pour pouvoir remettre tout au bon endroit, moi. Je pouvais pas savoir qu'on aurait juste un roi à déplacer de deux cases. Ok. Le livre du mal. Attendez, il y a autre chose. Ah. Journal de Marcus 1, le 4 décembre, vas-y. Nous avons enfin réussi, le virus est prêt. Le nouveau virus est prêt, pardon. Nous l'avons baptisé précurseur. Je veux le ramener et procéder immédiatement à des recherches approfondies. Le 23 mars, Spencer dit qu'il va monter sa société. Moi, je m'en fiche tant que je peux poursuivre mes recherches sur précurseur. C'est sa vie. Le 19 août. Spencer me demande sans cesse d'être le directeur de son nouveau centre. Ce n'est qu'une question d'affaires, mais son assistante devient vraiment intolérable. Ceci dit, il y a moyen de profiter de la situation. J'ai besoin d'une installation spéciale pour découvrir tous les secrets du virus. Un endroit où personne ne viendra fouiner. Oh oh! Le 30 novembre. Maudit Spencer, il est venu se plaindre aujourd'hui. C'est lui, le
précurseur. Pour lui, pardon, le précurseur n'est qu'un moyen de se remplir les poches, imbécile. Son influence s'accroît et cela ne peut que nuire à mes recherches. Si je veux développer précurseur, je dois aussi renforcer ma position. Le 19 septembre, enfin, j'ai trouvé un nouveau moyen de créer un nouveau type de virus dérivé du précurseur. En l'associant à de l'ADN de sangsue, j'ai fait des progrès considérables. D'où ce qu'on est en train d'affronter, c'est ça? J'ai appelé ce nouveau virus T, comme tyran. J'aime pas ça, c'est pas une bonne nouvelle. Le 23 octobre. C'est impossible, je ne peux pas progresser en expérimentant sur de simples rongeurs. Oh! Seuls les humains sont des mammifères acceptables pour ces expériences. Et voilà, c'est comme ça que tu dis au revoir à toutes notions d'humanité, en fait. C'est la condition sine qua non pour obtenir des résultats valables. Le 15 novembre, dis donc, il en raconte des choses, hein. On dirait qu'on soupçonne quelque chose sur mes expériences, mais ce n'est peut-être que mon imagination. En tout cas, si quelqu'un fourre son nez dans mes affaires, il aura l'honneur de m'assister, entre guillemets, dans mes recherches. Le 13 janvier. Enfin, elles sont prêtes, mes merveilleuses sangsues. Les faibles d'esprit n'auront jamais le privilège de goûter un tel sentiment de joie et de satisfaction. Je suis enfin en mesure de m'occuper de Spencer. Bientôt, je contrôlerai tout. 31 janvier. Les dispositifs qui protégeaient mes travaux ont été dérangés. Il semble que quelqu'un recherche T et les sangsues, les inconscients. C'est sans doute l'œuvre du groupe de Spencer. Le 11 février. Aujourd'hui, j'ai trouvé la preuve qu'on essaye de crocheter l'entrée du labo. Si c'est le cas, je dois trouver le moyen de régler le problème. Je devrais peut-être charger William et Albert de dénicher ces fouineurs. Je n'ai confiance en personne d'autre, hormis mes chers sangsues, bien sûr. Mais Spencer... Ça ne pourrait pas en rester là. J'annoncerai l'existence du thé à la prochaine réunion et je récolterai le fruit de mon travail. Ouais. À mon avis. Pour le coup, je l'échangerai bien avec Mister. Hop. Mister qui se retrouve sans munitions, bien entendu. Re farfa. C'est toi le tyran, wesh. Non mais... Hop et là. Examiner. Un livre. Mais ça doit s'ouvrir, non? Ouvrir le livre? Oui. Oh, comme de par hasard. Vous avez pris l'objet aile noire. Une aile... Une pierre noire en forme d'aile, il doit y en avoir une deuxième. Bah en fait, moi ce que je ferais bien, c'est ça tout simplement. Oh, oh là là là, on a la statue du mal. Qui à mon avis est déjà prête, sauf s'il faut aussi trouver la tête. Mais j'en doute. Hop, alors, où suis-je? Tant que je suis en sécurité, hein, je me permets de regarder. Ok. Donc on peut potentiellement aller en face. Je vais aller sauvegarder d'abord parce que... Au cas où... Vu que mes persos sont pas hyper bien en point. Un livre, ça doit couvrir, s'ouvrir, non? Eh oh! Quand on est gentil, on ne se moque pas. Qu'est-ce que donc? Attends. C'est de là que je viens? Je sais plus. Ça y est, je suis déjà perdue. T'es parti si loin dans le temps, toi. Parce que du coup, il a marqué 2918, hein, pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne comprendraient pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, oui, notre ami est parti jusqu'en 2918 pour pouvoir... hop. Nous prévenir que ce livre sera magique. Hop, et là. Elle stream l'autre. Bah oui, elle stream. Non mais, bienvenue, Mala. Oh là là. Bon. Alors. Hop. Bien, maintenant on va repartir avec notre père déclopé.
Et puis on va tâcher de se rendre. J'espère que je trouverai un soin. Ce serait bien. Un soin, ça pourrait éventuellement être utile, non? Ça, je veux dire, c'est pas trop demandé. C'est un soin. C'est un truc pour soigner. C'est fait. Ça pourrait éventuellement être une bonne idée. Hop. Ça va et toi? Hop. Alors. J'ai sauvegardé, je suis en sécurité. J'ai pas de mun, donc je peux toujours pointer mon fusil, ça sert à rien. Éventuellement, bah oui. Rebecca, protège-moi! Mais tiens, bon sang! Mais quelle gourde! Oh, pff, non mais... Tu t'es tuée toute seule, ma chérie, hein, là, y a pas de... Non mais l'autre, tu sais, elle reste dans la pièce. Bah quoi? Ah bon, y a des zombies à 2 mètres? Oh bah c'est dommage. Resident Evil 0. Hop. Rebecca toujours aussi gourde, oui. Effectivement, ça, je dis pas le contraire. Mais c'est parce que, je sais pas, moi je me fiais au fait qu'elle levait pas son arme, donc je me suis dit peut-être qu'il y a pas de zombies, hein, tout simplement. En fait, si, il y en avait. C'est juste que... que, en fait, ils sont du côté de l'écouteur qui n'est pas sur mon oreille, donc du coup, je ne les entendais pas, et comme Rebecca ne levait pas son arme, et bah... Parce que je porte toujours qu'un seul écouteur, sinon je parle trop fort. Encore plus que maintenant, je veux dire. Hop. Bah, mets les deux écouteurs. Bah non, je peux pas. Comme je viens de le dire, sinon je parle trop fort. Mais c'est vrai que ça pourrait... Attendez, on peut peut-être essayer de... Hop, voilà. Comme ça, j'ai pas le bruit complet, mais j'ai peut-être un petit bout, j'espère. Bon, de toute façon, je vais y aller avec Rebecca. Je sais qu'il y a plein de zombies là-bas, donc maintenant... Non mais c'est pas ça, c'est que c'est des écouteurs qui sont fermés du coup. Non mais en vrai j'entends rien de... Je sais qu'il reste des zombies, mais... Et rebalade. L'arme à travers les zombies, ça tire mieux? Bah oui. Oh là là. On va retourner dans la pièce du dessous. On va y aller là-bas, mais d'abord on va passer par la pièce du dessous pour pouvoir récupérer un truc en particulier. J'ai le droit. Oh là là. C'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, mais bon, j'ai pas trop le choix, j'ai pas de mun ni rien. J'ai pas de mun, j'ai pas de soins, donc... On est dans une situation vraiment très raisonnable. Au secours! Bah là, c'est abonné! Ah! Mais je m'y attendais tellement pas! Eh, attendez, est-ce qu'il peut se faire un zombie avec un couteau? Non, je sais pas. On va tenter. Allez, mode warrior, on va partir avec le couteau. Merci Mala, du coup, pour l'abonnement, ça fait plaisir. Hop. Oh, un mur, une colonne. Oh là 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 là. On n'est pas sorti de l'auberge. Bah non mais hey, oh 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 oh. Tu je m'en sors plus, ça y est. Je suis fichu. Hop. Alors, pour le coup, attendez, faut qu'on fasse ça. Hop. Équipé, voilà. Mode warrior, on y va au couteau.
Je le sens pas du tout, mais c'est pas grave. On ira au couteau quand même. Pas sûr qu'il soit très utile le couteau. Bah. Ah là là. Mais non. Je me plains pas. Ça m'a fait sursauter, c'est tout. Non. Ok. Non, bats-toi. Pourquoi il se bat pas? Non mais il se bat pas, je vous jure, j'appuie pour qu'il se batte, il se bat pas. Oh là 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 là. Hop. Sa couteau de cuisine, il veut pas s'aller refaire à manger après. Non, non, je pense plutôt que c'est... En fait, avec ces personnages, dans ce jeu, le gros désagrément qu'il y a, en fait, c'est que, en gros, il faut s'arrêter, viser, et ensuite seulement tu peux attaquer. Et en plus, il faut à chaque fois lui faire rebaisser son arme et relever pour qu'elle vise correctement. Je suis peut-être en train de gaspiller mes mules là, je sais pas du tout. Oh, je t'en prie! Et bien sûr, Rebecca va mourir du premier coup. Bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Oh là 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 là. Ils sont blessés! Resident Evil 0. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible! Bon. Comment on va gérer ça, franchement? Comment je peux savoir si elle a eu les deux zombies ou pas si je m'approche pas? Oh là là. Ok, bon. Hop. Méthode efficace, je me planque derrière l'autre perso. Pour que ce soit lui qui encaisse les coups. Au moins, ça a marché. Oh là 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 là. Regarde dans le miroir s'ils arrivent. Oui, mais non, parce que le miroir, elle est cassée. Les jours où je stream pas, c'est à lui de décider. Tu sais, il est déjà pas souvent là sur mes lives. Hop. C'est nouveau de mettre sa main sur sa hanche comme ça. Non, c'est parce qu'ils sont blessés. Et salut Crystal d'ailleurs. Hop. Merci. Merci les plantes complètement inutiles de poison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'ai pas de plantes vertes. Je peux pas transporter cet objet en plus. Oh là 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 là. Les bleus, c'est pour le poison, en fait. Sauf que si j'ai pas de verte, et ben en fait, moi, ça me sert à rien parce que je suis pas empoisonnée pour l'instant. Je suis vertifiée, moi. Hop. Hop. Voilà. Oh là là.
Je suis presque sûre que ça se lit pas cristal. Oui, mais c'est cristal. Ah! Un soin! Au secours, un soin! Utilisez! Ah! J'ai au moins un perso qui est plus mourant! Oh là 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 là! Oui, non, mais ça, je dis pas le contraire. Moi, ce que je veux savoir, c'est le truc qui est sur le lit. Une table des armes médicales, les draps sont trachés de sang. Mais c'est quoi le truc sur le lit? Wouh! Note de la première unité d'enquête. Nous inspectons le centre. Beaucoup d'agents chimiques semblent intacts. Heureusement, les réservoirs de stockage sont encore pleins. Nous venons de commencer et il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Mais il semble possible de mélanger les substances chimiques pour en produire de nouvelles. Les substances sont complètement dispersées. Ce n'est pas le résultat d'un accident, mais d'une erreur d'organisation manifeste. Lorsque nous rouvrirons le centre, il faudra adopter un système pour gérer ces substances chimiques. Il y a quelque chose de griffonné au dos de la note. Alors, rouge plus bleu égale acide sulfurique et vert plus rouge égale décapant. Ok. Hop. Ok, donc rouge plus bleu égale. C'est, je me souviens déjà plus. Mémoire de poisson rouge, bonjour. On dirait une sorte de substance chimique. Il faut un récipient pour la transporter. Super. Et laisse-moi deviner, il y en a d'autres des substances chimiques qu'il faut des récipients pour les transporter? Ouais, je suppose que ça doit être bleu, pour le coup. Alors, donc, rouge plus bleu égale acide sulfurique, et vert plus rouge égale décapant. Il me semble que c'est ça. Hop. C'est bien blouche, non mais... Ça me rappelle quelqu'un, bizarrement. Hop. Donc... Ce rire, on aurait dit un goéland. Hé hey, je suis pas un goéland, moi, ok. Oh là là... Je suis en drift. Chacun son truc, voilà. Hein. Hop, bon. On descend un peu. Alors, je voudrais les bouteilles. Non, j'ai mal visé. Je voudrais les bouteilles. Oui, j'ai bien visé. Hop. Donc... Je sais pas pourquoi on pourrait avoir besoin d'acide sulfurique ou de décapant, mais dans le doute. Ça a coulé rapide. Oh là 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 là. Hop. Rebecca! Non, quoique. On va récupérer d'abord le truc bleu et puis après on ira sauvegarder. En espérant que ça me fasse pas tuer. Hop. Remarque, il y a Mister derrière qui est en pleine forme. Rien. Oh là là. Oui, ça pourrait potentiellement être utile. Alors. Du coup, on va chercher le bleu. Hop. Oui, il faut un récipient pour la transporter. Et patate, elles servent à quoi tes bouteilles? Hop. Utiliser. Cet objet... Objet inutilisable seul. Ah, à mon avis, les bouteilles, c'est pour faire des cocktails molotov.
Molotov ou Molotov, comme vous voulez. Peu importe. Donc, en l'occurrence, je pense que du coup, il faut les combiner avec potentiellement ce truc-là. Et ensuite, il faudrait trouver quelque chose comme ça. Merde, tu les mets dans ta bouche, c'est un bon récipient. Je suis pas sûre de survivre longtemps si je suis tes conseils, hein. Je dis ça au hasard, mais je crois. Je viens d'avoir une idée, je vais l'essayer. On va voir si ça fonctionne. Hop. Ramasse. 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 Est-ce que je te dis? Non mais le truc est entre tes pieds! Espèce de banane! Voilà. Je l'ai pas traité de sandwich alors. Les vieux on appelle ça des cocktails Malato Malatov, ok. Parce que le but c'est de survivre, je croyais que c'était de pourrir en boucle. Espèce de troll! Hop! Est-ce que par hasard je pourrais combiner avec ça? Non, ça marche pas. Bon, d'accord. Bon, bah, mon idée elle était pourrie. Hop! Alors, est-ce que la greluche elle va réussir à ramasser le truc qu'elle a posé elle-même par terre? Elle les a! Oh là là! C'est un exploit, elle a réussi à les récupérer sans quoi j'ai besoin d'essayer 25 fois. Hop. J'aime bien quand ça explose, c'est joli les explosions. Est-ce que tout va bien? Ah là là. Ok. Donc, maintenant la question, ça va être, qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté de cette porte? Première nouvelle, on s'est pas fait agresser dès le. Ok, donc le pont est détruit. Déjà, c'est pas une bonne nouvelle. On peut pas partir par là. Est-ce qu'il y a quelque chose ici d'intéressant? Ah, là, il y a un truc. Rien ne se passe. On dirait que le courant est toujours coupé. Bon. Félicitations, tu viens de remarquer qu'il n'y avait pas de batterie. J'ai fait cette petite musique juste pour pouvoir dire ça. Donc. Un grillage métallique, malgré son ancienneté, il a l'air comme neuf. Eh bien, eh bien. Ok, donc en gros, cet endroit ne sert à rien, c'est ça? Enfin, pas actuellement, enfin, pas dans notre état, pas dans notre. Ouais. C'est ça, donc en gros, il n'y a que ça, sauf que ça, on ne peut pas y aller. Ça nous mènera ici, d'ailleurs. Musique de vieux, oh, ça va! Ah là là. Je suis exprès. La greluche, je te rappelle que c'est toi qui commande le perso. Mais non, ça, elle fait pas toujours tout ce que je lui dis. Là là. Des fois, elle en fait aussi qu'à sa tête. Bon, le truc, c'est qu'on est censé. Il est censé y avoir que. Hop, je vais y arriver. Il est censé y avoir trois portes. Chevalier. Celle-ci, c'est une porte lampe. Celle-là, c'est une porte eau. Et celle-là, c'est une porte fermée de l'autre côté. Donc, voilà, la seule possibilité, c'est de monter là-haut.
Et pour ça, il faut, du coup... Dans le doute. Voilà, c'est bien. Au moins il l'a trouvé, le lance-grenade entre ses pieds. Hop. Vous êtes inferno. C'est pas possible. Bon, alors, du coup... J'adore avoir 50 000 trucs dans mon inventaire qui servent à rien. Hop. Échanger avec Miss. Voilà. Est-ce que par hasard je pourrais... Allez, hop. Voilà. Est-ce que par hasard je pourrais combiner les deux plantes bleues? Non, ça marche pas. Dommage. Ah bah remarque, attendez, je peux peut-être reposer les... Hop. Voilà. Je voudrais que tu poses ceci. Ça l'a posé au bon endroit. Wouhou! Bien. Maintenant, tu vas laisser... On va en emmener une quand même pour le... Pour le cas où, mais l'autre, je vais la laisser là. Parce que, mine de rien, ça prend de la place dans l'inventaire. Et c'est pas forcément utile. Mister, toi, tu vas faire un truc. Hop. Faut que j'arrête d'appuyer sur ce bouton. Hop. Pour l'instant, tu restes sans balles, mais si jamais je vois que c'est trop... Remarque, attendez, vu que je reste à la commande du perso, on va faire ça. Voilà, histoire d'être tout de même équipé. Hop. Ok, on grimpe du coup. Elle a l'air de tellement Rebecca. Je voulais dire, elle est. Ah! Pardon! Elle a l'air de tellement galérer la Rebecca que ça a donné Rebecca, voilà. Ah là là. Mais j'aime pas les bestioles, elles sont moches. C'est pas des araignées, c'est des espèces de clopards dégueulasses là. Bref. C'est pas des bestioles recommandables. Attendez, je suis perdu là. Où suis-je? Ok. Et donc maintenant, il faut que j'aille. Attendez. Je suis complètement paumée. Ils sont pas laissés des insectes par chez eux, mais tellement. J'aime pas ces bestioles, moi. Attendez. Elle est peut-être là, la porte que je cherche. Non. Non, non, c'est pas là. Attendez. Mon sens de la désorientation a encore frappé. C'est... Ouh! La porte que je cherche! Je l'ai trouvée! Donc. L'urbex à Tchernobyl. Vous avez profité des soldes de Steam? Bah, j'aurais bien aimé. Mais manque de bol... Oh, petite Rebecca. Prends les mines, prends les mines, prends les mines. Voilà, c'est pas ta greluche. Hop. Ok. Oh, un observatoire. Je veux savoir ce qu'il y a en bas. Oh.
Un truc que je peux pas activer. Ok. Il y a un message gravé sur le panneau de contrôle. Les trois principes fondamentaux d'Umbrella Corporation. Alors, ça doit être là, à mon avis, qu'il faut mettre la Terre, le Soleil et la Lune, parce que c'est le seul truc en trois qu'on a trouvé jusqu'ici. Donc il faudra se rappeler du texte. Hop. Ça fera un follow. J'aime bien la fille. Ça te fera un follow et ensuite... La porte est verrouillée mais il n'y a pas de serrure. Oui, c'est normal, c'est parce qu'il faut aller là-bas et puis récupérer les trucs et puis... Ah, le changement de touche. Le changement de touche. Ce changement de touche me tuera un de ces jours. Tentative de corruption. Vous allez prendre... 17 ans de... Non, je plaisante. Je suis en train de... Tout va bien. Hop. On redescend du coup. Alors. Maintenant. La question, ça va être, est-ce que je suis capable de ne pas me perdre? C'est pas là que je voulais aller. Hein. Oh là là. Au moins, je suis réaliste. Je sais que je me suis perdue. C'est infernal! Il va falloir que je... Tentative de corruption d'un modo, c'est passible de prison, non! C'est passible de 17 ans de follow! Bref. Donc, mon problème, c'est que je suis complètement paumée! Mais tout ira bien. Puisque je suis sûre qu'on peut retrouver notre chemin. D'une façon ou d'une autre. Ok, ça c'est la pièce où je me suis fait agresser par les corbeaux. C'est pas là que je voulais aller. Au secours, j'ai un sens de l'orientation pathétique. On est d'accord que j'ai payé, donc j'ai le droit, ça va. Bon. Alors, je sais où ce n'est pas. Ma question maintenant, ça va être de trouver par où je dois aller. Alors, attends. D. C'est... Alors... Là. C'est là. Je veux aller là. D'accord. Je me suis retrouvée. Ça tente de faire du graphique de moto après la corruption de ce moto, je sais pas qu'on s'entend. Oh là 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 là. C'est pas mythique. Ah. C'est pas possible. J'ai toujours pas confiance en ce mec, moi. Le robinet rouillé, mais on s'en fiche du robinet, t'as remarqué le zombie qu'il y a devant quand même? Ce mec qui marche sur un zombie. Sprouch. Ah bah le robinet est rouillé, dis donc. Faudrait peut-être le réparer. Hop. Bien. Alors. C'est une note, ça? C'est quoi? Pourquoi il y a un truc dans la porte? Rembourser, je m'en vais même pas. Mais non. Je t'interdis de t'en aller. Hop. Mais j'étais en pleine forme, t'abuses! Et zut, je voulais justement éviter de gaspiller une mune pour ce truc et lui il a tiré quand même. Ah là 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 là. Vas-y, on monte l'échelle, mais cette fois je suis prête. Si t'es sage. Oh là là. Bon. Hop, pousse-toi. Voilà, Rebecca, s'il te plaît. Si tu peux t'occuper. Non mais je sais qu'il va se réveiller dès que je vais lui tourner le dos.
Oh oh. J'ai plus de mine! Je sais plus, on avait fait quoi entre les deux? Oh là 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 là. Ah, il avait pas encore son arme. Je m'étais dit qu'il faudrait qu'on aille en haut. Je me suis perdue. Je sais plus. Attendez. Ça c'est la truc lampe, ça c'est la truc là, ça c'est la pièce haut, du coup. J'étais retournée... Ah oui, j'ai fait le tour de cet endroit, mais il n'y avait rien de spécial. Parce qu'on n'y a pas encore accès. Et du coup, j'avais pensé à retourner ici. Parce que il y avait ça. Et puis je suis passée ici aussi, sauf que encore une fois, il n'y avait rien de spécial. Ok. Bon. Brûle la maison et c'est fini. Si c'était aussi simple. Pourquoi je vais par là moi déjà? Faudrait peut-être que je récupère mon arme avant. Hop. Pas d'effort. Oh là là. Allez, prends, 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 prends. Sois pas dissident. Prends le truc au sol. Prends le truc au sol. Tu me prends pour un sandwich? Je t'ai demandé de prendre le truc au sol. Oui. Voilà, le lance-grenade, c'est bien, chouchou. Hop. Ensuite. Échanger avec Rebecca contre ça. Ensuite, tu fais combiner avec ça. Ensuite, tu échanges avec Rebecca. Tu la places à un endroit acceptable. Genre là, voilà. Tu poses les rubans encreurs et une de ces satanées plantes. Le reste, tu gardes. Ensuite, non, tu rechanges de perso. Hop. Tu le règles sur équiper ça. Ensuite, sur la map. Ok. Pouh! Alors. Devant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer en passif. Et on va échanger de perso. Ah, Rebecca en attaque, Billy en passif. Hop. On retourne avec la Miss Rebecca. Dépêche! Ok. Bien. Alors, ensuite, on se met en comme ça. On échange deux persos. Rebecca est bien en attaque. Je suis avec mon arme qui est full mune pour le coup. On va monter à l'échelle. Et on va tâcher de les faire rôtir.
Rebecca? Rebecca! Allez, Rebecca, remarque qu'il y a des monstres. Elle est gourde, celle-là, c'est pas possible. Ensuite, hop, on échange du coup. Ils viennent pas? Ils sont pas là aujourd'hui? C'est bon? Alléluia! Ah là là, des soins! Des soins en pagaille! Est-ce que tu peux combiner avec ça, voilà, et est-ce que tu peux l'utiliser? Ah! Elle est enfin full life! Ouh! Alors, ouh! Ok. C'est la danse des zombies. Des explosions, on se croirait dans Mad Max. Des pots de flair. Cet inferno. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis encore trompée de touche, c'est bien. Hop, voilà. Je ne sais absolument pas où je suis. La porte est déverrouillée. Je suis où? D'accord. Bon bah en gros on a fait ça pour une paire de soins quoi. Attends, y'a vraiment rien là-bas? Si on y retourne, est-ce que les zombies seront revenus? J'espère pas. Hop. Y'a vraiment rien d'autre que des pots de fleurs. D'accord, j'ai fait ça pour des pots de fleurs. Ok, c'est une possibilité. La rampe s'est effondrée, apparemment elle n'est pas abîmée sous l'effet du temps. Attendez, j'ai cru voir un truc louche. Non, c'est juste un caillou. Allez, descends. Ouais. Bien! Ça remixe de ça. Oh là là. Alors. Là, ça sert toujours à rien d'y aller, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Il y a la chaufferie qui bloque. Attendez. J'ai cru voir un petit mot là. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, c'est charné. Non, mais c'est la chanson qu'il a chanté pour le. Enfin, qu'il a chanté, qu'il a écrit. Pour le. Pour The Walking Dead. Lequel? Michonne, je crois? Non, ça doit pas être Michonne. Le 2? Je sais plus. Bien. Alors. À présent. Ah, pshoot. Fais ce que je te dis, chouchou. Hop. C'est ça. Ok, alors, visiblement cet endroit c'était... Oh! Et un truc qui brille! Un truc qui brille! Il y a quelque chose ici, vous ne pouvez rien voir d'où vous êtes. T'as pas une échelle? Allez, s'il te plaît.
Au-delà du précipice s'étend une obscurité totale. C'est très très rassurant. Hop. Je sais pas, y a pas une échelle quelque part, un truc, n'importe quoi qu'on pourrait utiliser pour grimpouiller. Je voudrais grimper, s'il vous plaît. Ok, un solide grillage métallique, malgré son ancienneté, il a l'air neuf. Bon. Est-ce que regarder par les fenêtres sert à quelque chose? Ok, rien du tout. D'accord. Bon, bah visiblement, pour le moment, cet endroit en tout cas est inutile. Ça doit être le 2, il me semble. Hop. Alors, du coup... là, on peut pas y accéder parce qu'il y a du feu. Où est-ce qu'on était allé? Allô, oui, bonjour, je voudrais appeler pour un trou de mémoire. Pourriez-vous me dire où je peux trouver un responsable? Alors, du coup, à l'étage, on avait trouvé un truc, mais qui ne s'ouvrait pas. Moi, il y en a y être perdu, là. Bon, on va essayer de retourner... J'ai cru entendre un bruit de zombie pendant quelques secondes, ça m'a fait flipper parce qu'on est censé être dans une salle safe, là. S'ils commencent à nous mettre des bruits de zombies dans les salles safe, on va pas être copains, hein. Déjà que les bruits de zombies dans les salles pas safe, c'est pas cool, alors les bruits de zombies dans les salles safe, ça devrait être interdit. Hop. Là, je sais qu'il y a notre paire de copines qui va venir nous voir. Ake coco! Bon, vous m'excuserez si je profite du bug, hein, mais... J'ai plus de mun. J'ai plus une bune de pistolet non plus. Comment tu t'es... Qu'est-ce que je suis censée faire là? J'ai plus de mine de rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh là 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 là. Il y a un passage secret derrière le portrait dans l'escalier avec plein de gentils zombies. Le bug en tirant sur des insectes. Ah ouais, effectivement, j'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est pas mal dans le genre. Hop. Alors. La question, c'est qui a de la place, là? Alors. Attends. On va se mettre à peu près là. On va laisser ce truc ici. Ok. Je peux pas le laisser là, donc on va le laisser... Voilà. Là, ça te va comme ça? Si je te le demande de le laisser ici. Vous pouvez plus rien laisser dans la pièce? C'est quoi ça? C'est genre il y a trop de trucs par terre alors ça marche plus? Apparemment oui. Bien. Et bah dans ce cas, comment je vais me débrouiller? Ah bah t'as de la place toi! Non, pas les bidons d'essence. Hop.
Est-ce que dans ce pistolet, il reste des munes? Non, bien évidemment que non, sinon ce serait pas drôle. Est-ce que dans cette arme, il reste des munes? Non, pas le grappin. Je vais finir au couteau, moi, si ça continue. Est-ce que dans le fusil de chasse, il reste des munes? Oui! Hop! Et bah du coup, tu vas l'échanger avec ça. Voilà. Et puis... Hop. Tu vas te débrouiller pour laisser ça. Voilà. Et il me semble que c'est celui-ci qui était à Billy. Ouais, c'est ça. Donc, tu vas le laisser aussi. Voilà. Bien. Et tu vas prendre un petit couteau. Hein? Parce qu'après tout, il faut bien que tu aies quelque chose sur toi. Même si c'est... Je sais pas ce qu'on va faire avec un couteau et... et deux balles dans un fusil, mais bon... Va bien falloir faire avec, hein. Oh là 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 là. Vu qu'elles peuvent pas te toucher, t'aurais pu prendre le couteau. Bah voilà, tu vois. Bande de steak et chip cuit à point. Ah, c'est une expression comme une autre. Hop. Bien. On a une chance monstrueuse qu'ils puissent pas nous attaquer. Ok, vers le bas. Pile poil. J'avais deux munes, il en a pris deux. Oh là là, mais on est tellement dans la mouise. Oh là là. Bon, je te l'échange contre ça. Attends. Oh là 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 là. Je sais plus, il y a des zombies derrière cette porte ou pas? Non, il y a pas de zombies, il y a des munes. Rebecca, prends ses munes, prends ses munes. Oh là 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 là. Mais on est tellement mal barré. Hop, il y avait pas de mune en bas, je sais plus. Cette chance, mais j'avoue. Oh là là. Zombie, mune, c'est pareil. Non, il y en a un qui te tue et il y a l'autre qui te sauve. C'est pas la même chose. Si tu confonds les deux, il y a un problème. Allez, viens là, chouchou. On repart. Hop. C'est très étrange, Farfa, comme phrase. Salut Nero. Oh là là là. Bon. Attends. Ok, donc on est allé là, on est actuellement ici. Ok, ok. Ça on peut pas parce qu'il y a les flammes. Là on a tout visité. Là on peut plus rien visiter.
a décidé de partir en steak. Ah bah oui, il avait décidé de partir en steak, pardon. Donc je vous parle depuis tout à l'heure, vous m'entendez plus, c'est génial. Je me suis pas mute, hein, c'est mon micro qui a décidé. Non, non, là tu vois, tu dis que t'es conneries, alors je vais t'arrêter de t'écouter. Oh là là. Bouteille. Prends les bouteilles. Hop. Alors, est-ce que je peux combiner avec ça? Yay! Je le sens bien, ça. Hop. Voilà. Donc j'ai trois cocktails Molotov. Molotov. Ou peu importe. Hop là. Je pensais que t'étais perdu dans ta concentration. Pas du tout. Hop. Alors. Ah. Bon, bah ça tombe bien. Parce que bon, on va pas se le cacher. À l'heure actuelle, je suis potentiellement quelque peu perdue. Ah. Et si en fait... Je viens d'avoir une idée, faut que je teste. On fait ça et puis après on. Voilà, hein. Je suis sûre que vous m'avez compris. Hop. Oh, tu vas streamer, d'accord. Bah plus tard du coup. Hop. Bon stream. Hop. Alors, attendez, si je vais... Ouais, ça devrait être par ici. Est-ce que je cherche... Ah, stop, 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 reviens ici. Ici. C'est bien, ce que tu viens de faire est inutile et maintenant je peux plus redescendre. Redescends, redescends. Fais pas ta mijaurée, redescends. C'est bon, ouf. Ah, ça aurait été tellement pathétique. Ouh, ça va. On est sauvés. Oh là là. Attendez une minute, j'ai jamais été voir de... On peut redescendre? Non, on peut plus. Non, il a pété l'échelle, je crois. Attendez, c'est quoi ça? C'est toi! Okay. Et donc l'échelle pour aller là, elle a été cassée par Monsieur Je m'énerve. Ouais, c'est bien ça. Ok. Bon bah tant pis. Hop. Avec le gage, mais non. C'est même pas vrai. D'abord, vous avez aucune preuve que ma voiture s'est coincée deux fois dans Mad Max. Bon, en fait, si vous avez 3-4 heures de vidéo, je crois, mais mais voilà. Hop. Oui, c'est bien. Je vais pas du tout là où je veux aller. En fait, je pense droite et je clique à gauche. Parce que c'est tellement plus drôle comme ça. 4 heures de vidéo plus des clips. Argue. Oh là 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 là. Trop de preuves contre moi. Bon, alors, on va pas se leurrer. Je suis comme qui dirait paumée.
Je sais pas vraiment où je suis censée aller. Donc, dans l'immédiat, je pense qu'on a quand même bien avancé parce qu'on a ouvert un peu tout ce qu'on pouvait ouvrir, quoi, sauf ici et là. Mais en l'occurrence, je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment... Enfin, là, je sais qu'il faut avoir un... Ah, attendez, est-ce que c'est possible qu'avec un cocktail Molotov, on puisse... Non, ce serait trop... À moins qu'il faille... Oh. Bref, je vais arrêter de réfléchir pour l'instant. On a déjà du coup bien avancé, comme je disais, dans cette dans cet endroit. Je dis pas qu'on est proche de la fin, hein, loin de là. Hein, à mon avis, on a encore quelques temps de jeu devant nous, on va dire. Tout ce que tu diras pourrait être retenu contre toi en des preuves. Et non, on est en mode tribunal aujourd'hui. Hein. Dis-moi que tu veux tout faire brûler. Ça pourrait, ouais. Enfin bref. Dans tous les cas, pour l'instant, mine de rien, on sait quand même... Enfin, moi, je m'amuse bien, ok. Même si on meurt souvent, on a des fails, on s'en sort pas tellement bien, mais on essaye. Moi, je m'amuse. Voilà, hein, je vais pas vous le cacher. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Histoire de nous en garder un peu pour potentiellement, peut-être, éventuellement, je suis pas sûre, vendredi prochain. Hop, 2 secondes, je vérifie la date. Ouais, c'est ça, vendredi prochain. Y'a pas de problème. Du coup, on va s'en garder un peu pour vendredi prochain. Tu meurs souvent, tu fais des fails. J'ai intérêt à la langue où tu te poses la question. Donc, du coup, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Franchement, je m'éclate bien dessus. Merci à ceux qui sont venus voir le live. Merci à ceux qui ont discuté sur le chat avec moi. Ça fait très plaisir. Franchement, c'est... C'est très sympa de votre part d'être venu. Du coup, merci à ceux qui verront la rediff, du coup. Et merci à ceux aussi qui ont regardé sans forcément parler, hein. C'est pas une obligation, hein, voilà. Merci à Mala, du coup, pour son pour son abonnement. Franchement, c'était très très sympa de sa part. Et donc, je vais arrêter de dire merci à tout va. Mais n'hésitez pas à revenir, du coup, pour les prochains streams. Et dans l'immédiat, je pense que je vais pouvoir vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par les lives, vous avez le planning qui s'affiche maintenant. Non mais là, maintenant, vraiment, hein, je vous assure, vous pouvez regarder, c'est affiché. Donc n'hésitez pas à venir pour pouvoir assister en direct à cette session à laquelle vous venez d'assister, du coup, en rediffusion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Si ça vous a plu, et bah, vous pouvez toujours mettre un petit like, c'est toujours sympathique, et puis ça m'encourage dans ce que je fais, même si je le fais surtout parce que j'aime ça, faut l'avouer. Et si vous voulez laisser un petit commentaire pour me dire, je sais pas, soit ce que vous en avez pensé, soit si vous avez des astuces ou des conseils, ou tout simplement parce que vous avez envie de raconter quelque chose, même si évidemment ce serait mieux que ça ait un rapport avec la vidéo, vous pouvez vous exprimer, de toute façon les commentaires sont là pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé, vraiment, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!